Bonjour, je suis Franck Payen, votre formateur chez Video2Brain, et je vais vous présenter cette formation vidéo pour réaliser intégralement des publications à destination des tablettes tactiles, iPad, Zoom, Playbook. Je vais tout d'abord vous présenter un peu la Digital Publishing Suite, et surtout les Folio Producer Tools. Nous en ferons le tour, histoire de voir ce qui est disponible, et surtout ce qui est à la portée de tous les designers. Puis nous en verrons les limites. Dans la structure du projet, c'est du prêt-à-porter. C'est facile, accessible et très balisé. Ça laisse peu de place à l'erreur. Mais du coup, pour certains projets plus personnalisés, plus ambitieux, on peut sentir un tout petit peu à l'étroit. Je m'adresse donc à des graphistes, des designers, qui n'ont pas forcément envie de se perdre dans le code, mais qui ne vont pas non plus partir en courant non. Ce n'est finalement que de la méthode, et si on sait organiser une page, des gabarits, des styles, on saura aussi placer un bout de code au bon endroit, renommer un élément, appréhender cet étrange univers qu'est le code. Mais ce n'est pas tout. Puisque je vous parle de projet, nous allons démarrer de la base. Nous allons fabriquer les éléments, un petit aperçu de retouche audio, un crochet par la 3D, des séquences animées dans Photoshop, oui, c'est possible, et quelques autres encore. Tout va être multimédia. Gros passage dans InDesign pour organiser le document. C'est sans doute la partie la plus évidente pour les directeurs artistiques et graphistes, mais on n'est jamais à l'abri de découvrir une bonne pratique. Le petit truc en plus qui va vous faire gagner du temps dans ce projet ou dans un autre. Et si c'est la première fois que vous vous y plongez, vous aurez aussi un bon aperçu de ce qu'est la mise en page, et que la mise en page n'est plus limitée au seul support papier imprimé, mais bien au document dans son ensemble. Élégant, interactif. Flash ensuite. Mais ni pour l'animation, ni pour le code, trop compliqué. Une nouvelle passerelle depuis la CS5, les code snippets, qui vont transformer vos pages, plus ou moins fixes, en éléments animés, interactifs. On terminera enfin par la partie la plus ludique. De tout ceci, on va pouvoir assembler les éléments, et on va pouvoir les exporter vers notre device, que ce soit une tablette ou un smartphone, pour tester, en fonction des différentes capacités de ceci, si notre projet fonctionne. En bref, pas mal de travail en vue, un tour d'horizon et quelques bonnes pratiques, certains points très approfondis, d'autres un petit peu plus légers. J'espère que vous apprécierez en tout cas cette formation autant que j'ai pris de plaisir à la préparer.